Bonjour, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà à nouveau réunis autour de la parole. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule... C'est un thème, en fait, on va tourner un petit peu sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? À savoir que Paul prêchait que la croix. En fait, c'est le thème central de la... Christocentrique, restons... Tout voilà, à fait. Restons centrés sur Jésus-Christ. Tout à fait. Parce qu'il faut dire que de nos jours, beaucoup de vidéos, on va même dire... Tout à fait. Et beaucoup de chrétiens ne se sont plus trop centrés sur Christ, mais plutôt sur l'homme. Et sur la chair. Et sur la chair. Complètement. Sur les apparences. Voilà. Mais peut-être avant de démarrer, j'aimerais... alors, très brièvement... vous faire des annonces, hein, parce qu'il y a un événement prochainement, au mois de juillet, donc vous pouvez regarder directement sur l'écran. Voilà, donc il s'agit d'un séminaire donc, qui est programmé le 8 et 9 juillet, donc ici même à Wibberswiller, dans notre petite assemblée. Et cette conférence sera animée par, avec Ludovic Rouget, le pasteur Ludovic Rouget, et l'équipe donc, de la région Centre-Val de la Loire, donc département du Loiret. Et vous êtes tous très cordialement invités. Le thème sera « Voici l'agneau de Dieu ». Donc forcément, l'entrée libre et gratuite. Donc là, on peut dire que c'est encore une fois centré sur l'agneau de Dieu qui est... Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ de Nazareth, tout voilà, à fait. Le Sauveur et le Seigneur. Qui doit être l'objet de nos pensées. Exactement. Voilà. Oui, donc, alors, on va peut-être, je vais juste prier. Mm-hmm. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Seigneur, pour cette belle journée. Cette journée de grâce, Seigneur, que tu offres à chacun. Seigneur, que nous puissions vivre pleinement cette journée, dans ta présence, avec l'onction du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit, marcher dans la vérité. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous conduire par ton Saint-Esprit, pour que tu puisses vraiment travailler les cœurs, pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur. Merci Père éternel, notre Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Amen. Voilà, donc on va peut-être démarrer avec un verset biblique qui se trouve dans le livre des Galates. Alors je vais faire la lecture, Galates 1:10. Alors, prenons Galates chapitre 1 au verset 10. Et nous lisons, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes ?» Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, j'aurais une question à te poser. Hein. C'est toujours, on reste dans le partage de la parole. Hein. C'est pas de l'enseignement pur et dur, c'est pas la théologie. Hein. Nous restons dans le partage de la parole. Alors, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça veut dire que, est-ce que pour toi, ça sous-entend qu'il y a des serviteurs de Christ hein, qui cherchent à plaire aux hommes, d'après ce passage hein, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le fait d'avoir justement écrit ce verset, est-ce que ça peut sous-entendre qu'il y a effectivement des serviteurs de Christ qui suivent les hommes? Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Déjà, au départ... Le fait réel que tu me dises serviteur de Christ, déjà alors ils ne sont pas serviteurs de Christ. S'ils servent les hommes et s'ils veulent plaire aux hommes, ils ne sont pas serviteurs de Christ. Amen. Voilà. Parce que être serviteur de Christ, c'est justement être mort à soi-même, à la chair, mm-hmm. et ne pas plaire aux hommes. Amen. Parce que celui qui cherche à plaire aux hommes n'est pas digne de suivre Jésus-Christ. Mm-hmm. Parce que si on veut plaire aux hommes, on peut être tout à fait à l'opposé de la parole de Dieu. Amen. Être complètement à l'inverse de ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est non pas la volonté des hommes qu'on recherche, mais c'est la volonté de Dieu avant toute chose. Amen. Parce que beaucoup vont dire, oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et Dieu va leur dire, mais arrière-moi, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père, mm-hmm. mais vous avez fait votre propre volonté ou la volonté de Satan, parce qu'il y a aussi Satan, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc
quand même reconnaître que Satan aussi manipule beaucoup les hommes et certains hommes de Dieu, justement pour égarer le peuple et l'éloigner de la présence de Dieu. La présence de Dieu, tout à fait. Et l'amener dans une autre présence. Mmh. Donc tu amènes dans une autre présence et nous on va toujours ramener les gens dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons dans Jérémie, au chapitre 17 et au verset 8. Alors, je l'ai trouvé. Verset 5. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Alors, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le fait de dire qu'il prend la chair pour son appui? Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur l'homme. En fait, il cherche le secours dans l'homme. Il ne cherche pas à s'appuyer sur Dieu, mais surtout sur l'homme. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises incitent à cela. Mm-hmm. Beaucoup de pasteurs incitent à cela. Bien sûr. Ils veulent toujours qu'on vienne à eux. Ils veulent toujours qu'on se confie en eux. Il y a des chrétiens qui ont aussi une tendance à vouloir toujours qu'on se confie en eux, qu'on s'appuie sur eux, qu'eux, ils vont prier pour nous. Bien sûr, c'est bien de prier les uns pour les autres. Amen. C'est biblique. On doit se soutenir les uns les autres. On doit s'encourager, s'exhorter. Oui, bien sûr, c'est biblique. Mais de là à toujours chercher et rechercher à se confier dans l'homme, même dans les autres chrétiens, et ne jamais chercher vraiment le secours en Dieu, en s'attendant toujours au secours de l'homme. Ouais. Et c'est une tendance quand même assez générale hein, dans les églises. Et on n'a pas de communion réelle avec Dieu, on ne cherche pas vraiment Dieu. On cherche toujours l'homme de Dieu on ou la femme de Dieu, et celui qui apparaît. On porte l'intérêt sur l'homme. Hein. Paraît spirituel, parce qu'on ne connaît pas vraiment la vie de cet homme ou de cette femme. Parce que je ne connais pas parfaitement l'homme. Et qui est en face de moi, même lui-même ne me connaît pas. Donc quelque part, on peut donner une apparence de sagesse, de piété, et alors que parfois ils ont une double vie et parfois vivent dans l'adultère ou dans plein de péchés, d'impureté et tout ça, et de plus en plus d'ailleurs. Et puis ou de la convoitise ou qui aiment le dieu maman, qui servent le dieu maman, ou qui ont des faux dieux, des idoles dans leur cœur. Complètement. Parce que Dieu connaît l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment l'homme. Tout à fait. Et nous, on ne connaît pas l'homme qui est en face de nous ou la femme qui est en face de nous. Mm-hmm. D'ailleurs, vous-même, vous ne nous connaissez pas. Si nous prêchons aujourd'hui ce que nous prêchons, eh ben, vérifiez-le dans les Écritures. Tout à fait. Hein, parce que et nous prêchons aussi beaucoup par expérience. Que ce que nous disons est juste. Tout à fait. Eh ben, appliquez-le. Et ce que nous voulons surtout, c'est comme certains le prêchent, et d'ailleurs c'est très bien, c'est va et libère mon peuple, parce que Dieu nous a affranchis. C'est pour nous rendre libre. Vraiment libres. Amen. Et ne redevenez plus esclaves des hommes. Mm-hmm. Ne vous remettez plus sous le joug de la servitude et à se soumettre aux hommes. Bien sûr, on doit se soumettre, parce que le diable, il est malin, il est très, très rusé. Il utilise toujours la parole et il a tort. Et comme là, il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc oui, c'est bien de dire, oui, on doit se soumettre les uns aux autres dans l'amour. Mais on doit tous, alors soumettez-vous les uns aux autres, oui, mais soyez tous soumis à Dieu. Dans ces cas-là, il faut être soumis tous à Christ, parce que c'est Christ qui est la tête de l'Église. Sans Christ, on n'est rien. Voilà. Hein? Personne n'est rien. Ni l'homme, soi-disant, qui est devant sur l'estrade, ni la chorale, ni qui que ce soit. S'il n'y avait pas Christ, christocentrique, si Christ n'était pas le centre de notre foi, de notre vie. Mmh. Parce que c'est Jésus la vie, amen. Et ben tout ça, ça rime à rien, c'est du spectacle. C'est une mascarade. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mascarades dans les églises. Hein. Il y a beaucoup de spectacles, de cirques, hein, et dans tous les sens du terme, les charismatiques, excessives et extrêmes. Et puis, bon, même ceux qui font énormément d'activités, de chorale, d'animation. De toute façon, le diable, il aime bien qu'on se divertisse. Bien entendu. Tant qu'on se divertit, mais qu'on n'est pas en communion avec Christ, qu'on marche pas dans la volonté de Dieu, il est content. Il laisse les chrétiens faire, il n'y a pas de souci. Hein. Tout à fait. Donc là, effectivement, oui, tu réponds bien, tu commentes bien, on va dire, ce verset-là. Et donc, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Et là, j'ai eu tout de suite à l'esprit Galates.
Là, j'ai cherché juste à l'instant, Galates. Lorsqu'il dit, effectivement, lorsque Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, effectivement, d'après Jérémie, chapitre 17, verset 5, qui prend appui, qui prend la chair pour son appui. Donc, nous ne devons pas, frères et sœurs, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, demander des conseils à des hommes qui marchent dans la chair. Qui marchent dans la chair. Alors, c'est quoi marcher selon la chair? Ce sont ceux qui ont les désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que la parole nous enseigne au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Opposés, donc il y a une opposition. Hein? Donc, afin que lumière et ténèbres. Opposition, lumière et ténèbres. Tout à fait. Voilà. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que, effectivement, ça peut sous-entendre aussi que si on marche selon la chair, nous sommes sous la loi, quelque part. Bien sûr. Or, les œuvres de la chair s'en manifestent. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là que nous ne devons pas nous confier en l'homme. Parce que l'homme qui ne marche pas selon l'esprit, il marche forcément selon la chair. Donc, et marcher par l'esprit, c'est un travail, c'est pas, marcher par l'esprit ne veut pas dire aller guérir les malades. Marcher selon l'esprit ne veut pas dire forcément chasser les démons. Marcher par l'esprit, au contraire, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que nous devons. Sainteté. Et la sainteté, c'est à ça lequel nous sommes appelés. Nous devons aspirer. Nous devons aspirer aux choses célestes, aux fruits de l'esprit. Voilà, donc nous devons porter du fruit pour le Seigneur. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc nous devons. Alors qui est notre modèle? Qui est notre modèle par excellence. Hein, l'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est amour, frères et sœurs. Donc, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, ne suivez pas les hommes, mais suivez Jésus-Christ. Merci, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Voilà, il a le dernier mot. Le coq. Il est un peu en retard. Il est un petit peu en retard, ouais. Nous poursuivons, donc, dans la parole de Dieu. Et nous allons dans le livre de Corinthiens, donc au chapitre 2, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 5. Je vais faire la lecture. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Jésus est toujours la cause, basée et centrée sur Jésus-Christ. Alors, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce verset? Si tu peux le commenter. Bon, déjà, je veux dire... Si nous sommes là, c'est grâce à Jésus. Parce que nous sommes tous à la base des pécheurs. Et si aujourd'hui nous parlons de Jésus, c'est parce que nous avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. Et c'est que Dieu s'est révélé dans nos vies et nous a sauvés. Sauvés de quoi? Ben de nos péchés, de notre vaine manière de vivre. Amen. Nous a sauvés de quoi? De l'emprise du malin, de Satan. Nous a sauvés de quoi? De la chair, du péché, de la mort. Parce que celui qui pêche, il meurt. Donc, c'est grâce à Jésus que nous sommes là. Donc, tous ceux qui prêchent, je veux dire, à la base, tous ceux qui ont commencé à prêcher Jésus, peut-être au départ, étaient justes. Mais beaucoup se sont égarés par la suite, et c'est ça le danger. Le danger, c'est que ces hommes et ces femmes, et bon, ces hommes surtout qui prêchent la parole, dans les églises, partout, sur Internet, énormément, parce que c'est de nos jours, hein, tout le monde s'affiche sur Internet. Donc, il faut avoir le discernement.
peut-être au départ ces hommes étaient appelés par Dieu, peut-être au départ ces hommes étaient vraiment sincères, ils avaient vraiment été touchés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, ils ont été sauvés de leurs péchés et tout ça, et ils ont annoncé la bonne nouvelle du salut. Mais le problème qu'il y a, c'est que par la suite, ils ont peut-être touché au péché, ou ils se sont égarés, sont laissés imprégnés par les pensées de Satan, hein. Ça peut être l'orgueil, parce que moi aussi l'orgueil c'est un fléau aussi parmi les hommes de Dieu, de s'élever au-dessus des autres et de croire que l'homme de Dieu est loin de Dieu, des fois effectivement très loin de Dieu. Voilà, loin de Dieu, mais pas loin, c'est un loin de Dieu, on ne touche pas au loin de Dieu. Tout ce que le loin de Dieu dit, attention, hein, c'est comme si c'était Dieu qui le disait. Donc attention, parce que c'est blasphème si on parle contre le loin de Dieu, c'est comme si on blasphémait contre le Saint-Esprit. Et ça, ça amène les gens dans la peur et la crainte de l'homme, pas de Dieu. Ça les amène dans la crainte de l'homme et tout ce que l'homme de Dieu dit. On voit beaucoup ça en Afrique aussi, hein, où les bishops et les archibishops, là, ils sont assis sur des trônes. Et puis on vient même à genoux par terre, on leur baise les pieds, on leur essuie le front, voilà, on leur tient la Bible, on les appelle les mamas, les papas de Dieu, et on va se confier en eux, tous leurs problèmes et tout ça. Mais c'est aussi répandu en France, dans l'Europe ou en Amérique. Mais c'est d'une autre manière, c'est plus subtil. Ça devient plus intellectuel, ou alors, c'est des grands théologiens qui sortent des grandes phrases, des belles phrases, et ou certains qui font beaucoup de miracles. Alors on croit que la personne-là, elle est très spirituelle, et donc tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est comme si c'est Jésus qui le faisait, donc on croit tout ce que la personne a dit. Mmh. Et on va se confier en elle, et la personne, elle va te dire des choses. Et il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent sur toi, qui disent tu vas faire ceci, cela, tu as été appelé à ceci, cela. Et il y a énormément de gens qui s'égarent, énormément de chrétiens qui s'égarent, qui se perdent dans tout ça, qui sont dans la confusion, et qui parfois sont même retombés dans le péché à cause de ça aussi. Ou en disant, peut-être certains qui disent la masturbation c'est pas un péché, c'est pas grave, on peut continuer à suivre Dieu, Dieu est compatissant, Dieu sait que tu as un problème, t'as pas de femme, alors masturbe-toi, ou plutôt que de coucher avec des femmes, ou plein d'autres choses comme ça, et de dire voilà, Dieu est bon et compatissant, Dieu pardonne toujours, ou de dire même si tu pèches, de toute façon ton salut et c'est pour toujours. Eh ben, c'est faux, ben, tous ces évangiles qu'on prêche actuellement, hein, de dire tu es sauvé une fois pour toutes, même si tu pèches, c'est pas grave. Non, c'est celui qui persévère jusqu'au bout qui héritera de la couronne de vie. Donc, et tu n'es plus amené à pécher. Parce qu'il est dit dans la parole, résistez au péché, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc on peut résister au péché, on n'est pas obligé de pécher. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Donc c'est pas Dieu qui nous tente, et si on se laisse tenter, c'est parce qu'on veut bien, parce qu'on s'est laissé tenter, parce qu'on a voulu. Et même il est dit dans la parole que si tu as péché, va vite et repens-toi, pour que le diable ne puisse pas avoir une emprise. Donc, quelque part, le fait de se confier en l'homme, beaucoup se confient dans l'homme, et si l'homme lui-même il est encore dans certains péchés, il va dire, c'est pas grave ce que tu fais. Et moi je connais des églises où les gens ils vivent dans l'adultère, dans la fornication, ils fument, ils boivent et tout, ils ont le droit de prendre le repas du Seigneur, c'est pas grave, il y a ces mélanges, enfin... Pourquoi ? Parce que l'homme, parce que ça le rassure de savoir qu'il n'est pas le seul à pécher, que aussi, l'homme de Dieu aussi pêche, le pasteur, la femme, ou d'autres chrétiens dans l'église pêchent, alors je peux aussi le faire. Et c'est souvent une occasion de chute. Voilà. Exactement. Alors que s'ils étaient centrés sur Christ, ils auraient compris qu'ils ne devaient plus pécher, et que Jésus-Christ est là pour les aider, par son esprit, à faire mourir les œuvres de la chair, hein, et pour que on soit fort en Jésus-Christ. Mmh. Voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc si on s'appuyait vraiment sur Dieu, on marcherait vraiment avec lui, on serait réellement libre. Et on serait plus esclave des hommes déjà, et du péché. Bon, c'est déjà ce qu'il faut savoir également, c'est que de par les siècles, il y a eu quand même au Moyen-Âge, dans l'époque contemporaine, hein, dans laquelle nous vivons, etc. Bon, il y a eu des réveils. Oui. Il y a eu des réveils au 19e siècle. Il y a eu de sérieux réveils, des vrais réveils. Finet, Georges Muller, hein, L'audace de la foi. Donc, c'est un livre que je vous conseille de lire, hein, par la foi.
Et ce sont des réels hommes, c'était des réels hommes de Dieu. Ils ont été choisis par le Seigneur pour propager l'Évangile, pour prêcher la parole de Dieu dans la vérité, dans la simplicité. Mais le souci qu'il y a effectivement, c'est que là encore, on en a fait un culte, une idolâtrie. Ces hommes de réveil ont été adulés. Fait. Ces hommes de réveil, on en a fait une doctrine. C'est ça qu'ils ont. Hein? John Wesley, c'est devenu les méthodistes. Hein? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église chrétienne des méthodistes. Darby, par exemple, John Darby, on en a fait une... Oui, on en a fait des Darbys, les frères étroits, hein, les frères qu'on appelle les frères Plymouth. Et les frères larges, c'est plus axé donc sur George Muller. Donc George Muller, qui effectivement, je viens de le citer, donc déjà un peu plus large dans le sens l'ouverture on va dire dans le monde d'évangélisation est quand même plus large. Donc ils propagent l'évangile, etc. Tandis que les frères étroits ils sont très très étroits dans tous les sens du terme. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que c'est là qu'il y a effectivement toutes ces divergences, ces mouvements doctrinaux. Parfois sectaires. Je suis darbiste, je suis évangélique, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, hein, avec Seymour, hein, le réveil en Los Angeles. Donc le pentecôtisme, etc. D'où s'en sortit effectivement après les charismatiques, hein, les charismatiques comme Benny Hinn, etc. Je vais quand même faire une parenthèse par rapport à Benny Hinn. Oui. Parce que bon, Benny Hinn, c'est un faux prophète. C'est pas un mouvement comme les baptistes. Qui allait chercher son onction sur la tombe de Catherine Kuhlmann. Donc c'est du spiritisme. Et puis ce qu'il propage, c'est le Kundalini. Kundalini, hein, tout à fait. Donc l'éveil du serpent. Mais très dangereux. Mais ce que je veux dire, ce qui est dommage, c'est que justement les charismatiques. Ouais, donc je disais. Benny Hinn, je parlais de l'exemple de Benny Hinn, qui est donc un homme très dangereux, faux prophète pour moi et pour bien d'autres aussi, qui a amené le Kundalini, l'éveil du serpent, et qui allait chercher l'onction sur la tombe de Catherine Kuhlmann. Hein. Donc c'est du spiritisme, ça c'est carrément chercher chez le mort, c'est pas chez Christ. Hein. Et donc je connais même des Français, hein, des évangélistes français. Aussi, il a dit, moi je veux la même chose que Benny Hinn, moi je veux aussi, et d'ailleurs je ne sais pas s'il est allé à Toronto, il y était, oui. À l'époque quand il y avait ce fameux réveil de Toronto, où il y avait le Saint Rire et tout ça, où il se mettait par terre à genoux, faisait le cri des animaux, et puis il y avait la pluie d'or et tout ça, et je sais qu'à l'époque, et donc Kenneth Copeland, hein, le Saint Rire, oui, et tout, tous ces gens maintenant qui s'agenouillent devant le pape, hein, qui se sont ralliés avec qui ont fait alliance avec le communisme. L'Église catholique, donc je veux dire, c'est très très dangereux parce que c'est de la. Si on n'a pas le discernement du Saint-Esprit, si on n'a vraiment pas le discernement de Dieu, on pourrait se laisser prendre au piège. Complètement. Mais complètement. C'est très dangereux. Ouais. Parce qu'ils, quelque part, ils prêchent Jésus, mais quel Jésus? Et puis ils font des miracles, ils font des guérisons, ils chassent les démons, et pourtant, où ils sont allés chercher leur onction. Ouais. Voilà. Donc, ils ont énormément de succès et ils vont dans les grandes églises. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et c'est des mouvements, hein, charismatiques. C'est des mouvements charismatiques, voilà, tout à fait. Donc, ils n'ont pas forcément une école biblique, un institut biblique comme l'Institut biblique de Genève ou encore l'Institut des pentecôtistes. Oui, mais enfin, les pentecôtistes, eux aussi. L'ITB, l'Institut de théologie biblique. Ça a pris beaucoup sur le parler en langue. Si tu n'as pas le parler en langue, tu n'es pas sauvé. Bon, on a déjà fait une émission là-dessus. On a fait une émission. C'est pareil, c'est aussi très sectaire. Ça veut dire que si tu n'as pas le parler en langue, tu n'es pas en Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est n'importe quoi aussi. Mais tout à fait. Mais pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ces hommes qui ont... Les pentecôtistes aussi, voilà. Ont donné leur aval à... Enfin, je veux dire, ils ont été d'accord aussi avec le pape. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont ralliés aussi au pape. Quand même le dire. Tout à fait. Mais pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, les hommes de réveil que Dieu, bien entendu, a suscité, j'en suis fortement... Des vrais hommes de Dieu. Ah oui. Bien sûr. Et Evans Robert, je crois que c'est Evans Robert, un comment dire, que Dieu avait choisi pour le réveil du Pays de Galles. Et effectivement, il avait parlé en langue,
Mais il a reçu, effectivement, enfin, il a entendu quelqu'un parler en langue, dans une langue arabe, alors que cette personne ne connaissait pas un seul mot arabe. Et là, je dis, effectivement, c'est... Mais c'est pas la même chose. Ça peut être l'œuvre du Saint-Esprit. Ah non, absolument pas. Voilà. Mais pour vous dire que... Donc, il y a une essence, effectivement, du pentecôtiste en France. Donc, du Havre, etc. Donc, ça démarre, je crois, au Havre. Et ce sont des hommes, effectivement, que Dieu a choisis. Hein, mais on en a fait après des instituts théologiques, on en a fait effectivement des dénominations, parce que dans le monde du pentecôtisme, il y a énormément de dénominations. Hein, et c'est toujours quelque part derrière, il y a toujours, on a fait toujours référence à un homme de réveil. Voilà, c'est ça le problème. Et alors que c'était un homme, je pense que s'il se retournait de sa tombe, il se dirait, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Suivez Jésus-Christ, ne me suivez pas moi. Voilà, je suis qu'un envoyé du Seigneur. C'est comme si on faisait une religion sur Moïse ou sur Paul. Voilà, et d'ailleurs Paul avait bien dit, hein, vous dites vous êtes Paul, vous êtes machin, etc. Soyez donc pour Jésus-Christ. Voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'on suit les hommes. Charnel. Voilà. À cause de ça. Et c'est pour ça que nous ne portons pas d'étiquette. Nous sommes une assemblée chrétienne. Nous ne suivons personne. Nous ne suivons personne à part Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul modèle qui nous a été donné. Et tout le reste sont des hommes. Oui, effectivement, Dieu suscite des hommes pour des réveils, etc. Nous prions d'ailleurs pour que le Seigneur le fasse. Mais il ne faut pas après aduler ces hommes-là. En faire un culte. Je vais poursuivre la lecture dans 1 Corinthiens, au chapitre 2. Et même, je veux dire, oui. Ces hommes, quand ils prêchent... Il faut toujours analyser, toujours examiner ce qu'ils disent et vraiment écrit dans la parole. Parce qu'ils peuvent aussi se tromper, même s'ils ont été des hommes de réveil, même si Dieu les a utilisés puissamment. Amen. Ils peuvent à un moment ou à un autre dévier. Mais complètement. Parce que c'est très dangereux. Complètement. Il faut toujours se centrer sur Christ. Mmh. Il ne faut pas se centrer sur un homme. Mmh. Aussi beau, aussi merveilleux qu'il veut dire. Ou même s'il a eu des visions. Même s'il a rencontré Jésus-Christ en Cyrénos. Même s'il a guéri des malades et chassé des démons. Voilà, ce n'est pas le culte de l'homme. Parce que beaucoup se déplacent pour aller voir l'homme. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a beaucoup de... On fait beaucoup de publicité autour des hommes. Et quand il y a un homme de Dieu qui arrive dans une région, alors tout le monde dit, venez, venez, on va voir l'homme de Dieu. C'est oui. pas Jésus qu'on vient voir, c'est cet homme qu'on vient voir. Et pourtant, c'est ça qui ne va pas. Et parce que les gens, ils viennent pour l'homme. Ils viennent pour les guérisons et pour les miracles. Ils croient que cet homme-là, il a le pouvoir, mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, c'est Jésus-Christ qui a tout accompli sur Amen. La croix, c'est Jésus qui nous a délivrés de nos péchés, c'est Jésus par son sang qui nous a lavés de nos péchés, c'est Jésus qui nous guérit de nos maladies, c'est Jésus qui nous libère entièrement, et c'est Jésus qui va bientôt revenir, et c'est sur Jésus que nous devons nous centrer, et c'est Jésus que nous devons chercher, c'est ça. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, il a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. C'est vrai. Donc, en ce moment, ce qu'il y a beaucoup, c'est toujours de glorifier l'homme. On élève tellement l'homme, parce que c'est comme dans le monde, mais c'est Satan. C'est Satan qui veut être élevé. Et déjà, dans le monde, on élève tellement l'homme, l'homme politique, là, nouveau président, on l'élève comme si c'était un dieu. Je veux dire, Trump en Amérique, on l'élève comme si c'était un dieu, un sauveur. Alors que ce ne sont que... Et puis, en plus, ce sont des pécheurs, il faut quand même le dire. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Voilà. Donc, le déclin, parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit, c'est quand même la décadence totale. Et si les hommes, ils sont inspirés par Satan pour accepter l'homosexualité, pour accepter toutes les déviations sexuelles, c'est qu'il y a quand même un problème, mes amis. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'un homme comme ça peut vous apporter? Même des chrétiens s'imaginent qu'il y aura un changement dans la politique parce qu'il y a un nouveau président qui arrive. Mais un chrétien ne doit même pas être mêlé à la politique. Il doit prier pour ceux qui sont au pouvoir, pour que on soit pour le gouvernement, pour qu'on vive en paix dans le pays. Amen. Pour qu'on soit en paix dans le pays. Oui. Pour qu'on puisse prêcher librement l'évangile, la parole de Dieu, parce que certains pays où il y a un dictateur, on ne peut même plus prêcher la parole de Dieu. Tout on à fait. Carrément persécuté. Mais de là à croire que cet homme politique est envoyé par Dieu et de dire que cet homme politique est inspiré par Dieu, là, il faut faire attention, mes amis. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut prier pour cet homme de Dieu, pour que Dieu lui suscite des pensées qui peuvent venir de lui. Oui, mais ce n'est pas pour autant que cet homme-là, il est converti et inspiré par Jésus-Christ. Voilà, donc il faut quand même faire attention à tout ça. Je trouve que les chrétiens sont vraiment très naïfs. Complètement. Ils sont parfois plus naïfs que les païens. Hein. Franchement, hein.
ne sont pas avertis du tout, ils ne sont pas alertes. Ils ne comprennent pas qu'on est dans une guerre spirituelle. Le discernement. Ils ne comprennent pas que le monde entier gît sous le malin. Ils ne comprennent pas que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et que seuls ceux qui sont en Jésus-Christ, et que ceux qui sont en Jésus-Christ ont des combats spirituels, qu'on est en guerre. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a affaire, mais contre les puissances des ténèbres, le diable, tous ces démons, les esprits méchants, les dominations, les autorités, les principautés. Il faut quand même le dire. Après, il ne faut pas voir le diable partout, parce que c'est qu'une créature. Il ne peut pas être partout, mais il a une armée. Il a une armée qui est bien formée pour amener quoi ? La confusion et la décadence, mais la destruction. Et de pousser les chrétiens à pécher pour tomber, pour chuter. Voilà, ça c'est son but. C'est de détruire l'œuvre de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire totale. Amen. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, ouvrez les yeux et demandez au Seigneur qu'il vous donne le discernement. Parce que nous sommes dans une réelle guerre, il faut quand même être conscient de ça. Parce que moi j'aime bien les chrétiens. Il y a des chrétiens, les chrétiens du dimanche. Hein, ils vont à l'église, ils louent Dieu, ils chantent des belles, des beaux chants, et la semaine ils vivent comme le monde. Ce sont des chrétiens mondains, charnels. Ils regardent la télé, ils regardent tous les films, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des films qui sont très dangereux. C'est des films occultes qui propagent le message de Satan pour pousser les hommes à pécher et puis à faire son culte, le culte de Satan. Il y a énormément de musique qui sont là pour amener la jeunesse dans la corruption totale et qui sont là pour aduler Satan, pour adorer Satan. Parce qu'ils font des messes noires directement sur scène. Mais je veux dire, les chrétiens sont trop naïfs. C'est vrai ce que tu dis. Et en plus de ça, je veux dire, qu'est-ce que le monde peut nous apporter ? Mais qu'est-ce que le monde peut nous apporter ? Dieu a dit que le monde-là, il est contraire à lui. Et qui est le prince de ce monde ? C'est Satan. C'est Satan qui gouverne ce monde. Et il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'acharne, qu'il... On poursuit avec 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Je vais faire la lecture. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce que pensait, ce que Paul avait en pensée. Il avait en pensée, il n'avait rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'avait pas en pensée la pensée de tout le temps guérir les malades, tout le temps venir pour imposer les mains, tout le temps chasser les démons. Non, c'est d'abord Jésus-Christ crucifié. Et crucifié pourquoi ? Crucifié, ben pour nos péchés. Voilà. Voilà. Le péché. Mm-hmm. Dieu guérit encore la aujourd'hui. La prédication de la croix. Voilà. Hein, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Un beau discoureur, c'est ça ? C'est ça. Sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est quoi cette démonstration d'esprit et de puissance ? Est-ce que c'est forcément guérir les malades ? Est-ce que c'est forcément chasser les démons ? Non. Non. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoutez bien. Une démonstration d'esprit de puissance fondée sur la, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc une sagesse qui vient de la puissance de Dieu. On parle ici de sagesse, on ne parle pas de faire des miracles et des guérisons. Et la sagesse de Dieu, hein, c'est quoi ? La sagesse de Dieu, c'est la croix. C'est la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a vaincu Satan sur la croix. Il nous a racheté d'un grand prix. Mais ça, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Voilà sur quoi. C'est ça la démonstration d'esprit et de puissance. La croix. Et rien d'autre. Bien entendu. Bien entendu, les miracles et les guérisons. Chasser les démons, ça va avec. Mais ici, Paul nous fait bien comprendre que la puissance, hein, que la puissance de Dieu repose sur la sagesse de Dieu. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. On va continuer. T'en penses quoi ? Ah oui, tout à fait. Hein ? Ah oui. C'est clair. C'est Jésus-Christ qui sauve et qui délivre, mais c'est avant tout mort sur la croix pour nos péchés, pour les péchés. Il est venu pour délivrer l'homme de ses péchés. Merci Seigneur, parce que ce que je viens de vous dire là à l'instant, je vous le confirme. La parole de Dieu le confirme. Au verset 18.
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu? C'est la prédication de la croix. Mmh, tout à fait. Voilà. C'est confirme, ça confirme au verset 18. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils demandaient les Juifs? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mmh. Aujourd'hui, le monde païen, pas même pas le monde païen, les chrétiens cherchent des miracles. Hein? T'as pas pu en d'une église à l'autre, comme je l'étais. Comme je l'étais, je cherchais tout ça. Je cherchais les miracles et les guérisons partout. Les hommes de Dieu loin, etc. Je courais dans les églises. On sait ce que c'est. Mais moi, je dis, généralement, tous ces gens qui courent derrière les hommes, dans les églises, partout, c'est généralement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en règle devant Dieu. Je veux dire, qui vivent encore dans... Parce que tu vivais dans le péché aussi. Complètement, complètement. Je veux dire, tu jouais de la musique pourtant dans l'église. Hein. Pourtant, j'étais musicien dans l'église, oui. Tu fais des louanges, et ouais. Toi, tu vivais dans le péché. J'étais grave dans le péché. Et donc, je veux dire, on court derrière les hommes parce qu'on n'est justement pas en règle avec Dieu, on n'a pas cette communion avec Dieu, avec Jésus-Christ. On n'a pas cette communion profonde avec le Seigneur. Alors, on pense qu'en courant derrière les hommes, on va être, délivré, peut-être, c'est possible. On va entendre une certaine prédication, un certain évangile, mais ça ne sauve pas pour autant, le péché il est toujours là. Mmh. En fait c'est à cause du péché, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Mmh. Et c'est pas les hommes qui vont nous rapprocher de Dieu, ils vont pas nous rapprocher. Non. C'est nous si nous confessons nos péchés et si nous nous repentons de nos péchés, ça, eh bien Dieu il va se rapprocher de nous, parce que nous on va se rapprocher de lui aussi. Ça veut dire là c'est bon. Amen. Et pas courir vers les hommes et puis entendre leur prédication, après courir derrière des autres hommes, entendre leur prédication, et après ceci, cela, là, lui il fait des miracles, lui il sauve, lui ici, là. Et au bout du compte, mais on n'a toujours pas renoncé à notre péché. Non, et c'est ça on le problème. On n'a toujours pas lâché le péché. C'est qu'on est toujours séduit, hein, l'homme est toujours séduit par les miracles d'autrui. Hein, toujours attiré par, tiens, Dieu a fait ça dans ta vie, mais c'est merveilleux. Mais, nous, personnellement, qu'est-ce que Dieu il a fait dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu il fait dans notre vie? Pourquoi chercher toujours ailleurs? Et pourquoi ne pas passer du temps à chercher Dieu? Pourquoi ne pas passer du temps à lire sa parole, à se laisser instruire par le Saint-Esprit? Pourquoi ne pas chercher du temps, à méditer sa parole? Pourquoi toujours courir derrière les hommes, derrière les églises? Ouais, c'est vrai. Le verset 22 nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Qu'est-ce qu'il répond Paul? Au verset 23, « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et maintenant, on va aller dans Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Je vais faire la lecture. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert à la croix. Méprisé. Hein, Esaïe a abandonné. Hein, il était abandonné par tous. Mais aujourd'hui, effectivement, nous voyons des hommes de Dieu qui ne sont pas abandonnés, qui ne sont pas méprisés, qui vivent dans la luxure. Beaucoup. Hein? Sont glorifiés. Voilà. Et Paul avait les regards sur Jésus-Christ. Le chef, mais aujourd'hui on n'a plus le regard sur Jésus-Christ. On a le regard sur les hommes. Toujours sur les hommes. Comment tu comprends les femmes. Comment tu comprends ce verset? Il y a aussi des femmes prophétesses. Complètement. Bah oui, ça veut dire que. Il est aussi dit dans la parole que celui qui veut vraiment suivre Jésus-Christ, plus ou moins, il sera persécuté.
Donc apparemment, tous ces hommes-là, ils ne sont pas persécutés du tout. Au contraire, ils sont glorifiés partout. Ils sont accueillis comme des chouchoutés, comme des dieux. Et on leur met presque le tapis rouge. On leur donne les meilleurs hôtels, les meilleurs repas. Ils sont habillés richement. Puis même, je veux dire, même s'ils sont habillés simplement, mais on glorifie quand même l'homme, on glorifie la chair. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais dans une église charismatique, quand on savait qu'il y avait trois hommes de Dieu, là, c'était le trio, on en faisait tout un culte, là, ils vont venir, ça va déménager, ça va bouger. Pourquoi c'est, comment pourquoi qu'est-ce qu'ils ces bougent hommes qu'est-ce qu'ils ces hommes, ça va bouger parce qu'eux, ils arrivent. Alors nous, on peut pas, on vit rien avec Dieu, on vit rien avec Christ. Mais quand eux, ils vont venir, là, on va vivre quelque chose avec Christ. Ça veut dire quoi, ça? C'est sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autrement, on est mort, on vit rien. Et eux, ils vont arriver, là, on va vivre quelque chose. Là, ça va être, on va s'éclater dans le Saint-Esprit. Ça va être super, ça va être psychologiquement, déjà formaté. Hein, même spirituel, je veux dire, on prépare tout pour la venue de cet homme de Dieu, ou ces hommes de Dieu, plusieurs, et puis on se prépare dans l'âme, dans le cœur, ça va être un événement, on attend ça, inscrivez-vous, machin, tout ça, c'est comme si maintenant, là, il y avait un homme qui allait arriver, il va venir, il y a Dieu avec lui. Comme si nous, on n'avait pas Dieu, comme si nous, on n'avait pas le Saint-Esprit, comme si nous, on n'avait pas Jésus. Surtout, nous sommes tous prêtres, sacrificateurs. On est tous sacrificateurs, selon Melchizedek. Je veux dire, on est tous prêtres, et puis... il n'y a plus ni homme ni femme aussi dans le royaume de Dieu, il faut le dire, ni juif ni grec. Donc je veux dire, on a tous Christ, et même du plus petit au plus grand, plus personne n'enseignera personne. Donc je veux dire, si vraiment, réellement, on serait tous en communion avec Christ, ben, on serait tous en adoration devant lui, et puis voilà. Mais malheureusement, c'est à cause du péché aussi, la chair et tout. C'est parce que certains le suivent, d'autres ne le suivent pas, et tout ça, ça se mélange dans les églises. Et ça ramène des problèmes, de la confusion aussi. Tout le monde n'est pas encore même... Voilà, comme ils disent, moi je suis à un autre stade, je suis à un stade supérieur, ça veut rien dire, stade supérieur. Non. Enfin bref. C'est ça, tout à fait. Et on va poursuivre toujours dans la parole de Dieu, hein, les Écritures. On va dans le livre des Galates, au chapitre 6 et au verset 14. Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier. Ouais. D'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. Là encore, Paul nous invite à travers ce verset à glorifier Dieu et à ne pas s'enorgueillir justement et glorifier les hommes. Ben oui, parce que c'est toujours la même chose. Amen. Je sais pas, c'est l'homme, il a tendance à toujours vouloir chercher un modèle. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'idolâtrie. Darby, le machin, ça donne des courants, ça donne des mouvements. Parce qu'il n'a pas une communion profonde avec Christ. Il ne cherche pas cette relation avec Christ. Complètement. Ou très léger, ou très superficiellement. Mais là où il y a le problème. Il ne cherche pas à persévérer non plus. À persévérer. Là-dedans. Et il a toujours tendance à dévier, à toujours suivre après les hommes. Mmh. Ou un mouvement. C'est incroyable. C'est ça ce qui est dangereux. Et c'est ça qui ramène la confusion aussi, partout dans les églises. Complètement. Et là encore, quand on parle de mouvement, regardez, les uns sont pour Darby, les autres sont pour John Wesley, etc. Mais chaque homme de Dieu avait, était effectivement animé par le Saint-Esprit. Mais une... Ils ont cadré ça. Une référence. Et puis, par exemple, les Wesley, John Wesley, c'est le mouvement de la sainteté.
hein, le mouvement de la sainteté. Les pentecôtistes, c'est le mouvement de l'esprit. On appuie énormément sur le parlant langue, sur le baptême dans le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler d'autres langues, etc. Donc, les baptistes ne sont pas d'accord. C'est des paroles baptême. Voilà, ce sont plus portés sur... etc. Mais chaque mouvement, chaque institut biblique, en fait, quelque part, se contredisent. Ils se contredisent les uns les autres. Et c'est aussi pour cette raison-là que nous ne sommes pas... nous sommes sortis de tout cela, parce que c'est toujours et encore... On est toujours enfermés après dans un cadre, dans un mouvement. Dans un mouvement, tout à fait. Et dans un mode de pensée. Si nous sommes, effectivement, si nous sortons avec un diplôme dans l'Institut théologique biblique, donc l'ITB, notamment les pentecôtistes, eh bien, nous devons nous référer à ce que nous avons été appris. Ce que nous avons appris. Effectivement, et si nous prêchons, par exemple, la parole de Dieu, et nous ne parlons plus en langue, etc., et nous ne mettons plus l'accent sur les dons de l'esprit, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, à ce moment-là, on aura de sérieux problèmes, hein, avec le président de l'ITB, hein, de l'organisation directement. Et idem, hein, pour l'église baptiste, si le pasteur commençait effectivement à manifester les dons de l'esprit, avec le parle en langue, etc., et ben, idem, il y aurait de sérieux problèmes avec l'organisation. Donc, c'est n'importe quoi. Alors, pour ne pas avoir tous ces problèmes, on a décidé, non pas de devenir une secte, mais on a tout simplement décidé de suivre un Jésus-Christ, le roi, le Seigneur, le Sauveur, à travers les écrits, la Bible, etc. Et puis, on a des comptes à rendre qu'à Dieu, hein, pas aux hommes. Mais de toute façon, hein, moi je vais dire, qui c'est qui m'a sauvé? Ah, c'est pas une dénomination. Non, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu me sortir des ténèbres. C'est Jésus-Christ qui a sauvé ma vie. C'est Jésus-Christ qui m'a arraché des griffes de Satan. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour moi. Ce ne sont pas les hommes. Aucun homme n'a fait ça pour moi. Aucun homme, aucune femme n'a fait cela pour moi. Mmh. Et puis en plus, c'est que Jésus a accompli l'œuvre parfaitement. Mmh. Jésus n'a commis aucun péché. Tous ces hommes, qu'ils soient aussi spirituels qu'on veut, ce sont des hommes qui ont été rachetés par Jésus. Ce sont des pécheurs à la base, qui ont été sauvés par grâce. Bien sûr qu'ils... Dieu les a sauvés, les a effacés leurs péchés et tout. Après, qui me dit qu'ils ne pêchent pas encore? Je ne peux pas le savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que Jésus n'a jamais commis aucun péché. Amen. Et Jésus a donné sa vie pour moi, sur la croix. Elle a donné sa vie, il s'est sacrifié pour moi. Il a versé son sang pour moi. Sa mort, l'expiation de mes péchés sur la croix, a effacé les miens et m'a délivré, m'a sauvé et m'a amené dans le royaume de Dieu et m'a amené devant le Père, parce que maintenant je suis réconciliée avec le Père grâce à Jésus. Je peux maintenant comparaître devant Dieu, saint, sainte, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et a pris nos péchés sur lui. Et a effacé par la foi, nous sommes saints par la foi. Son sang nous a purifiés. Amen. Et donc maintenant j'ai nouveau accès au trône de Dieu, je peux entrer dans le lieu très saint grâce à Jésus-Christ. Amen. Pas grâce à un homme. C'est pas un homme qui va me faire entrer dans la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ, seul Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis, mes amis, je vous invite vraiment à vous tourner vers Christ, vers Jésus, pas vers un homme. Aussi beau, aussi merveilleux qu'il est, aussi autant qu'il prêche la parole, tout ce que vous voulez. Jésus-Christ se révèle. Il s'est révélé dans ma vie. Je ne suis pas passée par une église. Je ne suis pas venue devant un homme. Je n'étais pas dans un mouvement. Jésus-Christ m'a sauvée. D'ailleurs, à la campagne, comme ici. J'étais dans une maison à la campagne. Et Jésus s'est révélé très puissamment dans ma vie. Et il m'a sauvée. Il m'a arraché des ténèbres. Il m'a libéré du péché, il m'a libéré de Satan, il m'a délivré de la mort, il m'a délivré du monde. C'est Jésus qui s'est révélé puissamment par son esprit. Et je veux dire, j'ai vu le bras de Dieu, j'ai vu cette vision. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir, je n'ai pas parlé en langue en plus, je peux vous garantir que quand je suis rentrée dans les églises, dans les mouvements, c'est là que parfois je déviais de Dieu, j'ai chuté même. Je suis même tombée à cause de ça. Parce que je me suis laissée séduire par les hommes, par les hommes de Dieu, par les églises, par voilà tout ça, les mouvements charismatiques et autres. Je peux vous dire que Dieu ne se trouve pas là-dedans, voilà. Donc
Cherchez Dieu, cherchez le Seigneur, avant toute chose, cherchez Christ, cherchez sa face. Tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de tout votre être. Cherchez-le et il se laissera trouver. Amen. On va maintenant parler des guérisons, des miracles. Et nous allons dans Matthieu 24. Ouais. Et pour cela, je vais lire Matthieu 7 d'abord, verset 22. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a sur Internet, on voit beaucoup de guérisons, de miracles, et miracles, des gens qui tombent, etc. Enfin, c'est pas vraiment un miracle, mais des manifestations, on va dire, surnaturelles, voilà, qui sont facilement imitables également, notamment en parlant langue, on a déjà fait une... Mais pour d'autres, il s'agit effectivement de... Tu parlais tout à l'heure de la Kundalini, l'éveil du serpent, donc qui est un mouvement, enfin, qui est l'hypnose, l'hypnose, etc. Et c'est pas parce qu'effectivement, vous voyez, qu'on fait des miracles, qu'on chasse des démons, qu'on fait des guérisons, etc., qu'on est forcément de Dieu. Ce n'est pas une preuve. Jésus nous le dit lui-même. Parce qu'il y avait aussi des yogistes ou des spirites qui font aussi des miracles. Plus fort, ouais. Des miracles. Ah, des yogistes et des... Bah, je veux dire, ceux qui font les tomber les gens dans l'esprit. Oui. On a vu des émissions où c'était des hommes qui n'étaient même pas convertis, même pas nés de nouveau, qui n'avaient rien à voir avec Christ et qui faisaient aussi tomber les gens dans l'esprit. Ah oui, nous avons vu ça. Tout à fait. Les guérisseurs. C'est exactement les mêmes manifestations. Complètement. Et récemment, j'avais vu une vidéo, effectivement, où une femme, habillée tout en blanc, voilée, hein, et en arrière-scène, en arrière-scène, il y avait effectivement. C'était un genre de yin-yang, là, enfin bref, quoi. Mais elle chantait des chants chrétiens. En plus. Ouais, et elle guérissait. Et les gens tombaient, repos dans l'esprit. Faisant très attention, très attention, parce que c'est les chrétiens mal affermis, les chrétiens justement qui n'ont pas suffisamment de communion avec Dieu, sont attirés par ce genre de... Qui vivent dans certains péchés, sont attirés par ces manifestations-là, parce que croyant venir de Dieu, mais beaucoup de personnes sont sorties de ces mouvements, parce qu'ils ont été effectivement bernés, trempés complètement, et ils se retrouvent seuls. Hein, il y en a même jusqu'à ne plus croire en Dieu. Ils ont vu tellement d'abominations, tellement de choses, qui n'ont même plus, ils ont même plus envie de lire la parole de Dieu. Bah, je veux dire là, ils sont attaqués par Satan, hein, parce que Satan, il veut pas qu'on lise la parole. Hein. Non. Faut aussi dire. Ça, c'est, donc, oui. C'est une bataille. Il hein. y a des gens, voilà, il y a le problème aussi qu'il y a, c'est que certains, ils appuient tellement sur le combat spirituel, mais Satan partout. Il faut même des séminaires de combat spirituel et il faut aller même en groupe, il faut combattre. D'autres sont dans l'ignorance que Satan existe et qu'il est quand même notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, et qu'on est quand même dans une guerre et dans un combat spirituel. Donc le combat spirituel existe. Donc oui, mais pas. Faut être équilibré en tant que chrétien. Et je veux dire, certaines personnes sortent de ces églises, ces mouvements, mais ils ne sont pas suffisamment armés spirituellement. Mmh. Et quand ils se retrouvent tout seuls, et ben, le diable, il a bon. Il les prend et puis il les détourne de la parole et puis il leur dit oui, mais de toute façon tout ça c'est faux. Et puis parfois ils retournent dans le monde, malheureusement. Complètement. Malheureusement. Parce que certains s'isolent trop et ils n'ont pas suffisamment de puissance, de force dans le Saint-Esprit pour avoir le discernement, pour voir que Satan veut les empêcher de lire la parole, les empêcher de prier et tout ça. Et même de jusqu'à dire mais Dieu les dit même pas, regarde ce qu'il fait dans ta vie. Complètement. T'as que des problèmes. Complètement. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait plus de problème. Au contraire, ceux qui viennent à Christ, ils en ont encore plus qu'avant. Voilà. Pourquoi ? Parce que le diable s'acharne. Même Job, on lit Job. Job est allé auprès de Dieu. Satan est allé auprès de Dieu. Il a dit oui, mais regarde ton serviteur Job. Parce que Dieu était content. Il disait regarde Job, mon serviteur. Comment il m'aime, comment il me bénit, comment il me loue.
Et Satan a dit oui, mais il te loue parce qu'il est riche, parce qu'il a beaucoup de biens, parce que tu l'as beaucoup béni et tout ça. Mais on est venu voir tout ça pour voir s'il est encore béni. Mmh. Et Dieu a permis à Satan de s'en prendre à ses biens et tout ça. Même Amen. De s'en prendre à son corps puisqu'il lui a envoyé une maladie. Mais je veux dire, tu vois, donc quelque part, les chrétiens sont très éprouvés. Les vrais chrétiens, les chrétiens qui marchent vraiment avec Christ, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés terriblement parce que aussi, Satan aussi derrière. Et d'ailleurs, il est dit, passer par beaucoup de tribulations et d'afflictions que nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Donc le chemin est très étroit. Alors les chrétiens qui vivent rien et qui sont toujours bien, je voulais toujours dire. Dans la joie. Merci Seigneur. Et toujours heureux. Hein, posez-vous la question. Comme dans les sectes, certains voient les belles familles, les beaux visages, rayonnants, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on s'embrasse tous, embrassez-vous, prenez-vous dans la main, dites que Jésus vous aime. Je veux dire, arrêtez ce cinéma-là aussi, parce que la vie en Christ, ce n'est pas une vie à l'eau de rose, ce n'est pas, voilà, tout le monde est beau, il est gentil, allons-y gaiement, prenons-nous la main, arrêtez avec ça, parce que ça, c'est, on se croirait dans une colonie de vacances. Excusez-moi, là, ce n'est pas du tout l'évangile qui est prêché là, dans la parole. Les vrais chrétiens sont persécutés, ils sont tués. Paul a été tué, Pierre il a été crucifié, la tête en bas. Je veux dire, les premiers chrétiens, ils ont été terriblement persécutés. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être très vigilants. Tout à fait. Et au lieu de demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit pour faire des guérisons et des miracles et tout ça. Mais ça vient aussi si Dieu. Oui, mais demande plutôt au Seigneur de nous remplir de son esprit pour marcher dans l'intégrité et de pour marcher dans l'amour de Dieu. Hein, justement, la marche dans l'amour de Dieu consiste à ne pas pécher, justement, à mener une vie de sanctification pour pouvoir, justement, renoncer au péché. Voilà, donc nous devons renoncer au péché, toutes ces formes de convoitise et tout ça. D'ailleurs, Jésus a bien dit que par rapport à les apôtres, quand il les avait envoyés deux par deux prêcher la parole et puis ils ont guéri les malades et puis ils ont chassé les démons. Quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie, ils ont dit « Waouh, Seigneur, Seigneur, on a même chassé les démons, on a guéri les malades et tout. » Et Jésus a dit « Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons et guéri les malades, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. » Alléluia. C'est ça qui est important. Le ciel. Parce que Dieu peut enlever aussi ce nom-là, il peut l'effacer. Oui, bah oui. Si on pêche. Oui. Si on vit dans le péché, qu'on persévère dans Bien le sûr. Péché et qu'on continue à pécher et qu'on n'arrête pas et qu'on ne se repent pas. Parce que moi, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché de nos jours et qui pensent que Dieu est bon et qu'il va faire avec. Mais vous ne savez pas que Dieu est saint, il est toujours saint, il restera saint. Sa loi est bonne, elle est sainte, elle ne changera pas. Et si on ne se repent pas de nos péchés, ben, on va aller de l'autre côté. Hein. C'est sûr. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Hein? Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même des élus. Donc vous voyez, encore, c'est pas une preuve que lorsque vous voyez sur Internet, on voit souvent des miracles sur plein, dans les rues, plein de miracles, machin, etc., des prodiges. C'est pas certain que ça vient de Dieu. Parce qu'il dit, même les élus peuvent être séduits par ça. Ils sont séduits par ça, je peux vous le dire. Parce ah, que oui. Nous, on est aussi déjà séduits par ça. Oh oui, beaucoup. Voilà, donc faisons très attention. Et au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Séduiront beaucoup de gens. Mais c'est pas n'est-ce pas cette vie que nous, cette époque-là que nous vivons? Regardez sur Internet, il n'y a que des prophètes. Sur YouTube, il n'y a que des prophètes et des prophétesses, il n'y a que ça. Et chacun se dit, se réclame, voilà, je fais plein de miracles et de prodiges, machin, je suis un homme de Dieu. Et les hommes et les femmes courent après ces gens-là. Voilà, voilà. Non, demandez au Seigneur qui vous donne l'esprit du discernement. Mmh. Nous avons besoin, là, au temps de l'Odyssée, là, nous avons besoin de l'esprit du discernement. De sagesse. De sagesse. Mmh. Oh, plus que tout. Voilà. Je vais aller dans Luc, chapitre 6. Au verset 43-44. Je vais faire la lecture. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne
vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Voilà. Et Colossiens 3:5. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, par lesquels vous marchiez autrefois. Donc c'est le fait de dire que nous marchions autrefois, ça veut dire que nous ne marchons plus comme de cette manière-là. Dieu ne veut plus lorsque vous viviez dans ce péché. Bien. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux passions déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres en vous dépouillant du vieil... Mais vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Christ. Christ. Voilà. Porter du fruit. Hein? On porte du fruit lorsqu'on remporte des victoires sur le péché. Remporte des victoires sur le péché. Travaillez à votre salut. Ça ne veut pas dire aller tout le temps dans les rues et guérir. À quoi ça sert de gagner le monde entier si nous perdons notre âme? Tu en penses quoi? Tu en penses quoi? Par exemple, lorsque nous disons 3:5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Est-ce qu'on n'a pas tendance plutôt aujourd'hui à mettre plus en avant les dons spirituels? Dans les églises, les gens viennent pour chercher les dons spirituels, hein, et si le pasteur commence à prêcher sur l'impureté, sur les passions, etc., la cupidité, ce que c'est, etc., les églises se videront. Si le pasteur commençait à prêcher ces versets-là, mm-hmm. T'en penses quoi? Oui, même... Où tu parlais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure du divertissement, des églises actuelles. S'il n'y a pas de divertissement, on appelle ça des églises mortes. Oui, c'est ennuyeux. Hein? On ne veut plus prêcher l'impureté, on ne veut plus prêcher sur l'impudicité, on ne veut plus prêcher sur toutes ces choses-là. Oui, parce que bon, y a aussi la mode actuelle, les... vestimentaire aussi de nos jours est très c'est vrai, il faut le reconnaître. Bon, on va pas revenir sur le même sujet, mais les jeunes filles, dès qu'il fait beau, elles se dénudent et puis elles viennent avec des mini jupes et tout ça à l'église et des peaux décolletées. Je veux dire, après on dit le pasteur qui veut pas les reprendre parce qu'il dit ouais, si je les reprends, ils vont pas revenir, la jeunesse, tout ça. C'est vrai, ça piège aussi, parce qu'on ne veut pas contrarier les jeunes, on veut pas... voilà, donc on va les laisser comme ça, et puis... enfin, il ne faut pas être légaliste non plus, il ne faut pas tomber dans l'extrême du légalisme, et on ne va pas non plus porter la burqa, hein, on ne va pas aller jusqu'à l'extrême là. Non. Donc il faut vraiment un juste milieu, il faut un équilibre, et je trouve que ce qui manque énormément, c'est l'équilibre. Le chrétien n'est plus équilibré du tout, voilà. Il est extrémiste charismatique, ou alors il devient légaliste, il devient extrémiste dans l'autre sens, la femme qui porte un pantalon va en enfer. Je veux dire, c'est très extrémiste aussi, donc, ou qui porte des boucles d'oreilles, ou voilà, enfin ça c'est aussi grave. Donc il faut trouver vraiment un équilibre, et c'est que le Seigneur qui peut nous donner cet équilibre, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je répète toujours la même chose, chacun individuellement rendra compte devant Dieu. Et chacun doit chercher la face de Dieu pour lui-même. Et comme dit, avant d'enlever la poutre de l'œil de ton voisin, ôte déjà le fétu que tu as dans ton œil. Donc oui, on doit se veiller les uns sur les autres et dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est bien. Dans les églises et tout ça, bien sûr qu'il faut dénoncer. Mais en même temps, il faut chercher à toujours être en communion avec Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut réellement dans nos vies. Dans nos vies, hein.
c'est pas les autres qui vont nous apporter la réponse. Ça aussi, c'est un danger, parce qu'on cherche toujours la réponse à travers les autres. Oui. Comme si Dieu, les autres, Dieu, il parlait à travers leur bouche, parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Oui, tu parles, on parle par expérience. On c'est parle, très ne parlons dangereux que par expérience. Parce que tout le monde avait des paroles pour moi, sauf moi, je n'avais pas parlé de Dieu. Je disais, mais pourquoi Dieu ne me parle pas directement? Est-ce qu'il est obligé de parler à travers la bouche des autres? Et pourquoi est-ce qu'il parle à travers, et surtout à travers la bouche de certaines personnes qui étaient, moi je dis franchement, hein, qui ne vivaient pas forcément dans la sainteté de Dieu et qui n'étaient pas forcément très équilibrées. Donc on peut aussi émettre un doute là-dessus. Complètement. Ça aussi c'est très dangereux. Quand les êtres humains se réunissent les uns les autres, c'est toujours dans la foule que c'est dangereux. Quand on est tout seul quelque part. L'effet de masse, ça. Ouais, c'est toujours très dangereux parce que les uns et les autres sont exaltés. Alors il y en a qui sont plus exaltés que d'autres et surtout, excusez-moi mesdames et les femmes, qu'est-ce qu'elles sont exaltées. Et très dans l'émotionnel, émotif et tout, elles sont toujours très... Voilà, alors parler en langue, ça crie plus fort que les autres, ou même dans les cris, dans tout, c'est beaucoup les femmes quand même. Il faut quand même reconnaître. Et dans ces églises là, charismatiques, là, Il y a 80% de femmes dans les églises, de toute manière. C'est incroyable. Les hommes ne sont plus trop dans les églises. Où sont les hommes d'ailleurs? Et pourquoi il y a autant de femmes? Et pourquoi ces femmes sont toutes tellement exaltées? J'arrive pas, enfin moi je comprends pas toujours. Moi-même je suis une femme, donc je veux dire, pourquoi elles sont tellement dans l'émotionnel, tellement dans... Et on peut facilement les manipuler. Et il y a tellement d'hommes de Dieu qui les manipulent là. Malheureusement. C'est ça. Parce que bon, soumettez au pasteur, soumettez aux hommes marqués dans la Bible, soumettez-vous à votre mari, soumettez-vous à l'autorité spirituelle. Alors elles se soumettent facilement et en même temps elles sont toujours dans les manifestations surnaturelles, toujours dans le côté émotionnel excessif. Complètement. Et que lorsque Paul effectivement dit vous soumettez-vous aux autorités, soumettez-vous, voilà, etc. Mais la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Mais si le pasteur, par exemple, si le pasteur est un faux pasteur. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne pouvons pas le soumettre à un faux pasteur. Il faut le dénoncer. On ne peut pas rester avec un faux pasteur. Mais jusqu'à ce que parfois on détecte qu'il est un faux pasteur. Il a déjà fait beaucoup de dégâts. Si le pasteur enseigne, par exemple, que... je ne veux pas... Je ne suis pas là pour faire des histoires. Mais si le pasteur, il enseigne, par exemple, que nous ne devons plus manger, nous n'avons pas le droit de manger de porc, alors que on redevient légaliste. Alors, est-ce qu'il n'a pas suffisamment compris la parole de Dieu? Manger tout ce qui se vend sur le marché. Oui, mais on va dire, oui, mais à l'époque, ils ne vendaient pas de porc. Mais c'était en Grèce, hein. C'était en Grèce. Donc, ça, c'est des détails. Ça, c'est pas dangereux en soi. Ça égare pas les gens. Bon, ça peut les mettre sous la loi, oui. Ah, si, ça peut. Mais justement, si, justement. Oui. Si, justement. Mais ce qui est plus dangereux, c'est quand même le côté imposer les mains, faire tomber les gens, chasser les démons, tout ça. Il y en a qui ils poussent tellement les gens à aussi. Allez, vas-y, parle en langue. Allez, bouge, ouvre ta bouche, parle. Et la personne, elle est tellement sous la pression qu'elle va faire. Tu vois, je veux dire, parce qu'elle se sent tellement oppressée là, par le pasteur ou la personne que. Ça y est, elle va parler en langue, mais quelle langue? N'importe quoi. Et là, on va dire qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Il faut arrêter. Bon. Enfin, bref. Corinthiens. Ouais. 1 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 12. Et au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et lorsqu'il dit une voie par excellence, c'est parce que, effectivement, l'excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas plus excellent que Jésus-Christ de Nazareth. Donc la voie par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu et c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Donc lorsqu'il dit, aspirez dans les meilleurs, je vous montre une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça ne veut pas dire qu'il a parlé toutes les langues des hommes, ça ne veut pas dire qu'il a parlé les langues des anges. Parce que les anges ont toujours parlé d'une manière compréhensible. Si je n'ai pas la charité, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science, tous les mystères et toutes les connaissances, ça ne veut pas dire qu'ils avaient. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes et je n'aurai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La charité, c'est quoi plus que l'amour? C'est l'amour agapé. Oui, mais l'amour, parce que ça aussi... Mais je vais en parler justement, concernant l'amour. Et là, on va aller dans 2 Jean,
2 Jean 1, 6. Et là, vous avez la réponse de ce que c'est l'amour. Parce que là aussi, on en fait avec l'amour. On peut faire des grandes œuvres. On va faire Coluche. Coluche. Les femmes dans les bras. Oui, ça c'est l'amour. Hein. C'est... Non, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est la voie par excellence? La voie par excellence est donnée dans chapitre 2, dans Jean. L'épître de Jean, les deuxième épître de Jean, au verset 6. L'amour, il y a bien marqué, l'amour, la charité de l'amour, consiste à marcher selon ses commandements. Les commandements de qui? D'un homme? Non, les commandements de Dieu. C'est là le commencement dans lequel vous devez marcher. Dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Voilà, l'amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est faites-vous mourir les actions de votre corps, l'impureté, l'impudicité, etc. Le mensonge, tout ce qu'on a lu, hein, les calomnies, etc. Voilà, donc marcher dans la sanctification. Dieu nous sanctifie. Dieu nous sanctifie. La sanctification est un don de Dieu. Dieu nous sanctifie, notre être entier. Nous devons après marcher dans cette sainteté. Voilà. Il y a marqué marche dans sainteté car Dieu est saint. C'est ça, en fait. Parce que je veux juste rajouter une chose par rapport à l'amour, parce qu'il y a tellement de confusion aussi par rapport à... Oui, parlons un peu. L'amour. Parce qu'il y a un danger aussi dans les églises. L'amour, l'amour sentimentaliste. Je vais répéter, Dieu n'est pas sentimentaliste. Et beaucoup de chrétiens font du sentimentalisme et croient que ça, c'est de l'amour. C'est pas de l'amour. Ça, c'est la chair. C'est la chair, faire du sentimentalisme. Amen. Et c'est très dangereux. Parce que c'est comme ça qu'on peut s'égarer de Dieu. On n'a pas les pensées de Dieu. Hein. Voilà. Donc, et on dit que c'est l'œuvre de Dieu parce qu'on fait du sentimentalisme pour les âmes, pour les gens. Et on fait des œuvres charitables, soi-disant, mais dans le monde aussi, ils font des œuvres de charité. Il y en a plein, même les illuminatifs en font. Beaucoup. Ils font des œuvres de charité et pourtant ils ne sont pas dans le Seigneur, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui les anime? Donc je veux dire, c'est quoi? C'est du sentimentalisme. Mais alors, un sentimentalisme. Et je peux donner un exemple. Par excellence. Pierre, oui. Quand il y avait Jésus qui disait qu'il avait fait comprendre qu'il devrait aller souffrir beaucoup, énormément, hein, par les pharisiens à Jérusalem et qu'il irait sur la croix. Et Pierre est venu, il a dit à Jésus, moi je veux pas que tu ailles sur la croix. Hein. C'est comme ça qu'il est venu. Et Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Donc Pierre il est venu par un bon sentiment. Il est venu, mais moi je t'aime Jésus, je veux pas que tu ailles sur la croix, je t'aime. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne viennent pas de Dieu. Oui, donc je disais, dans le monde également, on fait des œuvres de charité. Notamment, là, il n'y a pas longtemps, à Manchester, effectivement, il y a eu un attentat. Hein, lorsqu'il y avait une chanteuse, je ne connais plus son nom. Et tout de suite après, on rend hommage, donc à travers la musique. Donc, on fait un chant, etc., un concert en hommage aux victimes. Ouais. Voilà. Donc, on a la pitié. Dans le sentimentalisme. Dans le sentimentalisme, dans l'émotionnel, etc. C'est toujours pour se faire voir. On fait la publicité. Regardez ce qu'on fait pour vous. Regardez ce qu'on fait pour vous, etc. Mais les Christ, œuvres. Où est Jésus là-dedans? Où est Jésus? Si Jésus, Christ n'est pas glorifié. Jésus là-dedans. Si Christ n'est pas glorifié, tout travail est en vain. C'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent en vain. Moi, je peux vous le dire. Malheureusement. Il y a beaucoup d'œuvres humaines, charitables. Charnel. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Mmh. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens s'égarent aussi. Ils s'égarent dans des œuvres qui ne sont pas celles de Dieu. Mmh. Après, ils disent, ouais, mais Dieu, où il est, Dieu, parce qu'après, ils sont malheureux, ils chutent, hein, et ils sont dépressifs, ils sont déprimés, ils sont beaucoup donnés pour les autres, hein. Ils ont beaucoup donné, et puis, parce qu'il dit aussi, dis-toi, le piège de Satan aussi, c'est dit donner, il vaut mieux donner que recevoir, parce que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors on dit, ouais, il faut donner. Mais donner quoi? Alors donc, donner. Alors, voilà, donc, ils ont fait beaucoup d'œuvres, ils ont beaucoup donné, ils sont retrouvés là, complètement desséchés, pressé comme un citron à sec, tombé dans la dépression, plus rien, vidé. Et alors,
Ils disent, ouais, mais Dieu, il est où Dieu? Mais Dieu, il a vu tout ce que j'ai fait, et Dieu, il va leur répondre, il va dire, mais je t'ai jamais demandé de faire tout ça. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est que tu viennes déjà près de moi, là, amen, devant mon trône, et ensuite, je vais en toi mettre les œuvres que moi, je veux que tu accomplisses, c'est-à-dire les œuvres qui sont préparées d'avance. Alléluia. Que Dieu a mis en nous, a suscité en nous. Et pas les hommes, parce que les autres, ils viennent là, ils disent, ouais, tu dois faire ça, ou ceci, ou cela, ou, ouais, une petite fille qui pleure, il faut que tu lui trouves un vide, ça, parce qu'il faut la rassurer. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il y a quelque chose... C'est pas être chrétien, ça. Je suis désolée. Qui m'interpelle, là, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'ai eu à l'esprit, effectivement, il y a plus de joie à donner. Jésus-Christ s'est donné, sur la croix, gratuitement pour nous. C'est une joie. Pourquoi? Parce qu'il nous veut sauver. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Donc notre joie pour notre contemporain, pour c'est notre prochain, éternelle. C'est la vie éternelle pour lui. C'est donc pas autre chose. S'il vit dans le péché, nous devons aller chez lui pour lui montrer, nous devons déjà être un exemple au préalable, et ensuite lui montrer comment marcher dans la vérité. Voilà, c'est ça la joie à donner. C'est pas forcément toujours du matériel. Jésus-Christ n'a rien donné de matériel. Jésus-Christ a donné la vie éternelle. Jésus-Christ nous a donné, s'est donné lui-même. Donc nous devons nous donner nous-mêmes. Lorsqu'il dit aussi, hein, femme aime ton mari, et vice-versa. Comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Marie aime ta femme. Marie aime ta femme. Parce que Christ lui-même s'est donné. Voilà. Et ça, c'est un genre de passage qu'on n'aime pas trop parler. Non. Surtout les hommes. Non, parce que ça demande des... Un sacrifice. Ben voilà, Jésus-Christ a donné un sacrifice sur la croix, voyez. Voilà. Ça, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire, c'est donner notre vie pour notre prochain. Comme Jésus-Christ a dit. Lorsqu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est oui. Aimez-vous les uns les autres, sacrifiez-vous pour eux, pour qu'eux ils aient la vie éternelle. Et c'est pour ça, lorsque Paul dit justement que nous ne devons pas être centrés sur nous, mais sur Jésus-Christ. Parce que si nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner notre vie à notre prochain. Oui, mais la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous. Parce que nous, notre vie est charnelle. Oui, je parle de la vie. On ne peut rien donner. Je parle de la vie avec... Nous, on ne peut rien donner. Voilà, l'esprit de Dieu. On ne peut pas aimer. Non. On aime, dans le monde, les gens, ils s'aiment par intérêt. Oh, j'aime cette fille parce qu'elle est belle, elle est intelligente, elle est ci, elle est ça. J'aime ce garçon parce qu'il est magnifique. Par intérêt, oui, complètement. Et le jour où ils sont ensemble et où, tiens, du coup, elle n'est plus aussi belle ou du coup, elle n'est plus aussi intelligente ou elle me déçoit, du coup, voilà, l'intérêt est tombé, je ne l'aime plus. Et c'est ça, le monde. Amen, amen. Voilà. Donc, il y a beaucoup de divorces et tout ça. Mais je veux dire... C'est ça, on aime par intérêt, on aime, tiens, le grand chef, le patron, parce que il a une bonne place, il peut peut-être me donner une promotion, il peut peut-être m'élever plus haut, donc c'est toujours par intérêt. Voilà. Amen. Donc, mais dans l'église du Christ, ça ne doit pas être comme ça. Non. Hein. C'est pas par intérêt qu'on fait les choses. Non. Et on vient pas aux hommes et aux femmes de Dieu, parce que ça aussi c'est très fort. Dans les églises, beaucoup viennent à la femme du pasteur, l'homme du pasteur. Eux, je viens à eux, mais pas aux autres. Les autres, ils sont rien. Mmh. Tu vois, c'est pareil. Eux, parce qu'ils ont soi-disant une position haute, d'emploi. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu, excusez-moi. Ça, c'est dans les églises catholiques ou alors les églises charnelles. Hein, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, Dieu, il a dit... Des fonctions. Et en plus, Paul, il a dit, je me fais tout à tous. Donc, Jésus s'est humilié jusqu'à se rabaisser. Ne suis-je pas le moindre des apôtres, tu dis, hein? Ouais. Ne suis-je pas le moindre des apôtres? Il s'est même abaissé tellement, hein, il n'a porté aucun titre. Non. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ce qui se passe dans les églises. Complètement. Et dans Luc, chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, qui parle? C'est Jésus qui parle. Et il dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce sera le mot de la fin. Alors, je répète. Puis il dit à tous. Mais tu vas le commenter. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Qui se charge chaque jour de sa croix, qui me suive. C'est vrai, de le faire se lever le matin, c'est un miracle. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il doit renoncer à lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est? À ses propres désirs, à ses propres
penser au monde, au péché, à la chair, à tout, pour porter la croix. C'est-à-dire passer par la croix, c'est la mort à soi. C'est la mort à soi, à tout. Ainsi donc, mes frères. Il n'y a plus rien là, il ne doit même plus rien rester de nous-mêmes et de la chair. Ainsi donc. Non pas ma volonté, voilà. Mais ta volonté, Seigneur, voilà. Tous les jours. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça. Et fille de Dieu. Vous, ouais, fille de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorieux avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous devons souffrir avec Christ. Oui. Hein? Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que nous devons souffrir? N'a-t-il pas dit également que le chemin est étroit? Et non? Parlons un petit peu de le chemin de la croix, le chemin étroit, le devant souffrir, etc. C'est ce qu'on avait dit, ce que tu avais évoqué au début. Hein, que c'est par des tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Voilà. Ouais. Là, c'est pour la sanctification. Amen. En fait, parfois Dieu permet même que on passe par des épreuves pour être sanctifié. Parce que notre chair, elle est contraire à l'esprit. Et parfois, on croit être spirituel, on croit marcher avec Dieu alors qu'on est à côté de la plaque. Quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans les voies de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Donc, souvent, on attribue les pensées qu'on a en disant, ah tiens, j'ai des pensées là, ça vient de Dieu. Pas forcément. Donc, il faut passer parfois par de grandes souffrances même, pour que la chair elle soit clouée à la croix. Pour que la chair elle ne revendique plus rien. Plus rien. Qu'elle soit vraiment morte, clouée à la croix. La vieille homme, la vieille nature, le vieux moi. Et parfois, il veut se réveiller. Donc, il faut toujours le faire taire. Et ça, c'est un combat. C'est un combat contre la chair, ça. C'est pas un combat contre Satan, ça, maintenant. Ça, c'est aussi la chair. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a des chrétiens, ils ont tendance à tout mettre sur le compte de Satan. Il n'y a pas que Satan. Il y a aussi notre propre chair. Notre volonté. Notre propre nature, notre volonté. On ne va pas dire qu'on est possédé. Tous les chrétiens ne sont pas possédés. C'est la chair, c'est tout. Et après, parce que sinon, on chercherait des excuses, on attribuerait tout ça à Satan, donc nous, on n'est pas responsable. On devient des chrétiens irresponsables. On n'est pas responsable, c'est Satan qui nous a poussés, c'est Satan. C'est un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, pourquoi tu as écouté ta femme? Mais parce que tu m'as donné cette femme, c'est Ève. Et Ève, mais Ève, pourquoi tu n'as pas écouté sur ce que je t'ai dit? Oui, mais c'est le serpent. Donc c'est jamais la faute à soi, c'est toujours la faute accusé. À... Alors qu'on a reçu un ordre et que Dieu nous a dit, tu ne toucheras pas, on n'aurait pas dû toucher. On a été mis à l'épreuve. Et donc, c'est comme ça tous c'est les vrai. Jours. Je veux dire, tous les jours, on est mis à l'épreuve tous aussi. Tous les jours, portez votre croix tous les jours, c'est ça. C'est ça. Et donc, tous les jours, on fait un choix, mes amis. Et c'est pas Satan toujours derrière qui est là et qui nous... C'est pas notre faute, c'est Satan, voilà. Non, il faut arrêter. C'est nous. Nous avons un libre arbitre, nous avons une responsabilité, nous sommes libres, Dieu nous a rendus libres. Tu n'es pas obligé de lever tes yeux sur une femme d'ailleurs dans la rue parce qu'elle porte une mini-jupe. Ça, c'est ta responsabilité de ne pas lever les yeux dessus. C'est pas Satan derrière qui te provoque et oh, il a mis une femme là. Oui, peut-être, admettons. Attention, après, tu n'es pas obligé de regarder. Non. Voilà. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer les femmes qui se baladent dehors nues, surtout maintenant, à l'heure actuelle, où il fait tellement beau. Parce que le monde, il est ce qu'il est. Le monde est contraire à Dieu. C'est un monde qui va à la perdition. C'est un monde où Satan règne. Ça mais, toujours pire, de manière. Par contre, dans les églises, on peut quand même, si on a un poste, si on est dans une position de responsabilité, pas de position haute, supérieure, hein, mais voilà, et qu'on peut se permettre de dire aux jeunes filles et aux femmes, de s'habiller décemment, de ne pas venir de manière indécente dans l'église,
pour louer Dieu, parce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu là, et que ce sont des hommes et des femmes qui ont été rachetés par Jésus, qui sont sortis du péché, et qu'il y a des jeunes hommes aussi, des jeunes garçons, des jeunes hommes, des hommes qui sont aussi là, et que pour pas encore être une occasion de chute, même dans les églises, il faudrait que chacun puisse, voilà, on a le libre, après on est libre, mais pas pour provoquer, pas pour être une occasion de chute pour notre prochain, pas pour continuer à pécher. Voilà, donc c'est cette responsabilité qu'on a. Moi j'aime la jeunesse, mais je ne suis pas d'accord que des jeunes filles viennent d'une manière... D'ailleurs c'est marqué à la Bible, vous ne voyez pas une occasion de chute. Voilà, moi je dis, il faut arrêter, il ne faut pas exagérer non plus, on est des êtres humains, on a des faiblesses, et les hommes ont des faiblesses. Il faudrait que les jeunes filles ou les femmes arrêtent de provoquer aussi constamment les hommes. Amen. Ça, il faut le dire aussi, il faut le reconnaître. Elles sont quand même, elles ont du chic, hein, parce qu'elles sont belles, elles sont mignonnes, hein, et puis parce qu'on les flatte un peu, elles croient qu'elles doivent exposer leur nudité comme ça devant tout le monde. Et qu'on ne dira rien parce qu'elles sont belles, elles sont mignonnes, elles sont gentilles, elles sont jeunes, elles sont innocentes. Non, c'est pas vrai. Elles ne sont pas innocentes, elles savent très bien ce qu'elles font. Et elles savent très bien qu'elles plaisent et qu'elles provoquent les hommes, même les hommes d'un certain âge, les hommes mariés. Et c'est une occasion de chute. Voilà. Et les hommes, ils ont du mal aujourd'hui, c'est très dur. Je ne vais pas maintenant prendre parti pour les hommes, j'aime autant les femmes, mais je veux dire, c'est très dur pour les hommes de nos jours. Surtout juste à cause de ce côté très visuel, la vue. Et on est vraiment à la fin des temps et c'est très dur. Ils ont vraiment beaucoup de combats. Mais je vous dis vraiment, les jeunes filles et mesdames, arrêtez de... ils sont vraiment affligés et provoqués de tous les côtés. Qu'ils aillent en ville, qu'ils aillent même sur Internet ou n'importe où, dehors, dans la rue, partout. Partout, c'est toujours les femmes qui s'affichent à moitié nues. Et c'est pas les hommes. Hein. Les hommes, ils se baladent pas comme ça. C'est bizarre parce que les hommes mettent des t-shirts fermés et des pantalons. C'est rare. Mais c'est toujours les femmes. Et les jeunes filles particulièrement. Dès qu'il fait beau, hop, on sort son petit short. On se met tout presque nu, on va au magasin comme ça, on va faire les courses. Même en allant faire les courses, l'homme il est obligé de baisser les yeux. Il ne peut même pas aller faire les courses avec sa femme ou seul, parce qu'il est obligé de baisser les yeux, il ne peut même pas regarder, parce que dans tous les rayons, il y a des femmes à moitié nues et avec des petits shorts. C'est vrai, c'est terrible, on est dans un monde terrible, de provocation excessive dans le péché. C'est grave, grave. Vraiment. Il est temps que Jésus revienne, hein, parce que... Franchement, que Dieu nous aide. Voilà. Donc, Dieu nous aide. Mais là, pour le mot de la fin, maintenant, j'aimerais bien vous lire encore deux versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34, où il dit « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Ouais. » Et 1 Corinthiens, chapitre 15, toujours, oui, et au verset 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'heure du Seigneur. Travaillez. Travaillez à l'heure de Dieu. Salut vos âmes. Voilà. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne péchions plus. C'est ça que nous devons travailler. Oui, c'est pas aller faire des. Partout là, guérir les malades, marcher, faire des séminaires. Non. Oui, on peut le faire, bien entendu. Mais travaillez à l'œuvre de Dieu, travaillez, il y a un marqué dessus, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire, c'est de travailler dans la purification, dans la sanctification, pour que nous soyons, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Il y aura des rétributions dans le ciel. Voilà, pour chacun, nous devons tous rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre, pour chacun d'entre nous. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est pour cette raison-là, si nous voulons, effectivement, nous devons porter du fruit. Et chacun doit porter du fruit. Voilà, nous ne devons pas porter du fruit pour se faire voir aux yeux des hommes, mais nous devons porter du fruit à la gloire de Dieu. Voilà, c'est pour cette, selon la volonté de Dieu. Comme Dieu nous a conduit. Comme Dieu nous conduit. Voilà, la première chose, effectivement, que Dieu nous demande de faire, hein, où Paul insiste, effectivement, c'est travailler sur soi-même, c'est-à-dire de ne plus pécher. Hein, de marcher dans la sainteté. Et ensuite, effectivement, il y a les œuvres qui accompagnent ceux qui auront cru. Hein? Voilà, les œuvres accompagneront. Voilà. Mais la première chose, effectivement, c'est sachant que nous sommes sanctifiés, que nous sommes purifiés par Jésus-Christ, nous devons marcher dans la sainteté.
Voilà. Et ensuite, Dieu nous envoie, effectivement, oui, pour guérir les malades, pour chasser les démons, etc. Mais si... Et le problème qu'il y a, effectivement, c'est que si nous mettons le spirituel d'abord, hein, Satan peut aussi imiter. Satan peut aussi imiter les guérisons. Là, il y a le vrai, il y a l'ivraie. Ah. Tout à fait. Hein, comme nous l'avons dit, mais Dieu, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité, pardon. Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Et c'est pour cette raison-là que nous devons d'abord travailler à produire du fruit. Et lorsque le fruit, il est produit, nous pouvons en manger. Les gens peuvent manger de ce fruit. Ils peuvent se nourrir de ce fruit. Hein, c'est-à-dire les œuvres qui accompagnent. C'est merveilleux. Mais s'il n'y a pas de fruit, eh ben, l'arbre sera jeté. Voilà. Donc, je pense que nous devons être très vigilants les temps que nous vivons. Nous sommes effectivement encore sous la grâce, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps parce que Christ tarde sa promesse. Hein. Et il y a bien marqué dans la parole de Dieu également que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc, ce qui est écrit dans la Bible se passera. Dans Apocalypse. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il revient, il va revenir. Voilà. Et nous vivons vraiment des temps très difficiles. Hein, voilà. Où le péché est très grand. Ah bon ? Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment, Seigneur, de partage autour de ta parole. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Et tu es toujours le Dieu redoutable, tu es le Dieu jaloux, mais tu es aussi le Dieu d'amour. Et Père notre Dieu, nous voulons marcher, faire ta volonté, et nous voulons mettre en pratique, Seigneur, ce que nous avons effectivement partagé, et que nos frères et sœurs qui ont également eu cette possibilité d'écouter ce message, qu'ils puissent également le mettre en pratique. Voilà, et que tout cela soit fait, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire, uniquement pour ta gloire, pour l'avancement du royaume de Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Amen.